Salut tout le monde, c'est Maya. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy. Sur ce, bon visionnage! Victor Rookwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric! Tout va bien? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rookwood en personne? Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant. Je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison, vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prête pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porte-au-loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard, et que derrière cette porte, nous attend un dépôt intact. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non, mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous pu contacter le professeur Weasley ? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent où trouver la porte que nous avons empruntée. Nous avons connu pire, professeur.
grâce. Professeur, ce mur, c'est par ici. Ça a marché. Allons-y. Lumos, Ranrok ne doit plus être très loin du dépôt. Je crois que vous avez raison, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Lumos. Écoutez, d'autres gobelins. Je crois que tu vas... Carrie. Et son professeur. Là, on réussit à traverser les charmes défensifs du château. Menez-les par là. Nous allons bien nous occuper d'eux. Ah, ah. Ils tiendront. Ah!
Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, Georges, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire ? Je ne prévois pas de toucher au dépôt.
Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Les gardiens avaient raison. Utiliser cette magie est bien trop risqué. Elle doit être contenue, à jamais. Je comprends. Et vous n'êtes pas seul. Je ferai tout mon possible pour vous aider. L'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrock. Il n'a jamais été à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer vaincue. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!